Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui comme prévu hier. Voilà Fifi qui passe, qui s'étire, qui s'allonge, qui va pousser ses petites fesses. Je vous présentais hier dans le hall Amazon les nouveaux bretonnerres que je me suis achetés. Donc, comme je vous disais, ce ne sont pas les macarons, voilà. Les macarons vont arriver bientôt, puisque les macarons, eux, viennent de chez AliExpress. Ils ne sont pas vendus sur Amazon encore. Voilà. Donc là, ce sont des crayons à l'huile Bretfener. Par 80, il y en a 80 dedans, donc dans une petite valisette comme c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai enlevé la valisette pour qu'on voit plus clair, et qui sont dans des racks, voilà comme ceci. Donc j'ai 4 racks. Voilà, je vous montre. Voilà, 1, 2, 3, 4 racks. Ils sont tous... Alors, j'espère que vous allez voir. Voilà, ils sont tous numérotés. Donc là, on voit bien le numéro, pas comme les 520. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans le bon ordre, par contre... Non, ils ne sont pas dans le bon ordre, ils sont mélangés. Alors, je vais d'abord les ranger par numéro dans les racks. Et après, je vais faire avec vous le nuancier. Je vais faire mon nuancier. Donc, celui-là, je vais le faire dans mon livre nuancier, le color chart. Voilà, sur les pages-là. Puis, fille. Allez, bouge. Merci. Voilà, sur les pages comme ça. Donc là, je vais tout de suite les ranger par numéro. Je vais voir ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai tout classé, mais par numéro. Donc vous voyez, mes couleurs du coup sont mélangées. Mais moi, je préfère travailler par numéro. Je m'y retrouve mieux. Alors, j'ai un souci. Je me retrouve avec un doublon. Voilà. Le numéro 74. Donc, j'en ai un qui est à la bonne place. Voilà, c'est bon. Mais il me manque le 47. Et quand on regarde 74, c'est... et 47, ben c'est le contraire. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur dans la mise en boîte au moment de... Enfin, que ça a été mis en boîte, je ne sais pas. Donc, j'ai le 74 au lieu du 47. Donc, c'est rien. Je vais faire un mot au vendeur pour voir s'il peut me renvoyer le numéro 47. Comme ça, ben, je pourrai le remettre. Voilà, j'espère qu'il pourra me répondre favorablement. Je vous tiendrai au courant pour ça. Je vais leur faire un petit mot tout à l'heure ou demain, parce que là, il est tard. Donc voilà. Alors, on commence par le numéro 1, c'est... Voilà. Ça, c'est le premier rack. Donc, qui va du 1 au numéro 20. Voilà. Donc, certains d'entre vous préféreront peut-être que les couleurs... Mais là, pour celui-là, les couleurs se suivent comme ça, par numéro 1. Là, c'est du 21 au 40. Voilà. Ensuite, non, Fifi, non. Du 41 au 60. Et pour terminer, du 61 au 80. Voilà. Donc voilà comment elles se suivent quand on les range par numéro. Donc je vais enlever le 74 double. Et on va faire maintenant le nuancier.
Hop, voilà. Je prépare le nuancier. Alors voilà, j'ai préparé mon nuancier, j'ai mis tous les numéros. Là, il n'y a pas de nom sur les crayons. Donc, il y a juste des numéros, donc ça simplifie. Hein. Et donc, on va maintenant colorier les carrés. Ça va, ça glisse bien. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont peut-être pas aimer cette façon-là de faire le nuancier. Vous allez peut-être préférer comme les crayons étaient rangés dans la boîte. Et moi, je veux retrouver par numéro. Voilà. Puis là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 80. Donc, voilà. Ils sont bien pigmentés, en tout cas. Voilà. Et les couleurs sont vraiment bien. Bon, je vais vous le faire en rapide maintenant parce que sinon vous allez y passer la soirée, hein, je pense. Allez, en rapide et en musique.
Voilà. Donc, j'ai terminé. Et voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à les ranger dans la trousse. Et ce sera fini. Donc, on va les ranger dans la trousse. Voilà. La trousse, comme je vous ai montré hier. Donc, on va ranger tout ça maintenant. Donc, hop, on va mettre les crayons, enfin les pointes, comme ceci. Et on va mettre le numéro en haut pour que je puisse les voir. Allez, on range ça. Voilà, tous les crayons sont rangés. Donc là, j'ai laissé une place pour celui qui manque. Donc si jamais il me l'envoie. Et bon, il me reste un petit peu de place là. Bon, je verrai. Voilà. Là, il me reste. Voilà, j'ai une petite pochette ici. Voilà. Donc voilà, ils sont rangés. Alors, je vais garder la petite valisette en plastique. Celle-ci. Je fais le reste, les racks et le ça je vais le garder pour ranger les petites choses en haut de scrap. Voilà, ça sera pratique. Hop, si j'arrive à refermer. Voilà, je vais ranger les petites choses dedans. Vous voyez, c'est toujours bien ces petites valisettes. Donc ça je le garde et les racks et puis le carton autour, bien sûr je jette. Voilà, là j'ai plus qu'à refermer ma trousse. Désolée, la télé fonctionne. Et voilà. Et là, vous voyez, elle n'est pas épaisse. Et j'ai plus qu'à la ranger avec ses copines, les trousses. Bon, là, c'est un peu le boxon. Hein. Faut que je range. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant pour le crayon qui manque. Voilà. Et là, je vous ferai une deuxième vidéo. Je vais faire des essais de crayons avec des mélanges, avec l'essence sans odeur. Voilà.
voilà, avec plusieurs choses pour voir comment ça réagit. Hein, je vous fais ça, je pense, demain, voilà, pour que ce soit dans la continuité. Et là, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.